Salut tout le monde, salut YouTube! Allez, on continuera cet épisode 33. Épisode que je tourne juste après le 32 pour moi. Mais vous aurez 2 jours ou 1 jour d'intervalle pour vous. Mais quoi qu'il en soit, épisode 33, c'est parti. On doit aller tuer les cafards. Je crois que c'est des cafards. On doit aller là-dedans. Let's go. On met un petit truc. Hop, et on se casse. C'est parti, il faut être rapide. On plonge, on cherche même pas à comprendre. On avance, let's go. Let's go, let's go. Est-ce que je dois... Oh, il m'a fait peur. Ouais, il attaque. Ok, 2. Raté. Raté. Oula, je vise comme une merde. 3 flèches. Ok, c'est 4 flèches. Ah, j'ai pété mon arc. Ah. Ça va, info. Ouah, il y en a partout. On prend la pique. Ouah. Je me fais éclater. Attaque. J'arrive pas à trouver le. Ok, j'ai compris comment on esquive. On ramasse, on remonte. Waouh, compliqué là, hein. Oh là là. On se reprend un truc. Go, on y retourne. Go, 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 go. Je sais pas s'il faut... La vanne, il faut la tourner à fond ou pas. Faut les appuyer. Tout va bien. On va fermer le gaz du coup, je pense. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ok. Donc, je crois que j'ai rushé. On verra plus tard les fiches. On verra plus tard. Attendez, c'est bizarre qu'il n'y ait pas un autre ventilateur du coup. Une autre manivelle. Non, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Ok. Ah. Oh. Barre de contrôle. Il en fallait 3. On en a une. Donc c'est plutôt cool. Il faut qu'il mange. Tu vas boire ça. Voilà, ça c'est bien. Et tu vas boire ça. Même mieux. Déjà ça, on le met là. On va mettre ça là. L'arc, j'en ai cassé un, mais c'est pas grave, j'ai prévu le coup. J'en ai un autre. Et ça, j'ai 30 flèches toujours, c'est plutôt bueno. Flèche en métal, flèche en pierre. Flèche en pierre, ok, c'est qu'elle se cumule pas. D'accord. Ancre et. Je pense qu'on peut. Ça me fait chier d'aller faire un retour au bateau maintenant, en fait. Donc, du coup, on va continuer. Ok, ça fera que je tourne sûrement. D'accord, utiliser. On va utiliser ça d'abord. Ok, est-ce que je peux. Aïe! Bah, il faut pas. Voilà. Donc, ah, faut jouer avec le laser, d'accord. R, ça marche pas. Ça ne marche pas. Faut que j'aille peut-être le couper avant. Ah. Ok. Comment je fais pour le tourner? Maintenir. Ah, ok, j'ai capté. Faut que je la voie où? Ah, bah, fallait que je la voie là. Oh, coup de bol. Ça, c'est un coup de bol, ça. Cool. Facile. Facile sans faire exprès, c'est bien. Ça reste facile aussi. Ok, ben vas-y, let's go. On va tuer les petites bestioles. Du coup, je vais faire la pique. Ils sont où là? Que je les arrache. Il y en a pas. D'accord. Ok, pareil, c'est des lasers. Le laser, faudra l'envoyer ici. Donc, il commence là. C'est parti. Let's go. Bim, toi tu vas là. Toi, est-ce que je peux te faire tourner? Pour que tu ailles là.
Non, il faut que tu ailles là-bas. Tac, on te met en plein milieu. Toi, je vais te tourner pour que tu ailles. Ah, j'ai pas vu. Ok, si je fais ça, ça fait quoi? Ça, je peux pas les tourner a priori. Donc, si je l'envoie là-bas. Genre là. Non, mais toi, je peux pas te tourner non plus. Mais j'avais pas vu celui-là. Celui-là. Ah, je peux pas le prendre. Je peux pas les tourner celui-là là-bas. L'oxygène. Je risque de prendre des dégâts. On passe par-dessus, attention, c'est parti. Ça passe. On y retourne. Hop. Donc, du coup, est-ce que celui-là là-bas je peux le tourner? Pas du tout. Comment je fais pour aller là-bas? Ça se trouve, je suis parti du mauvais côté direct. Genre ça, il faudrait le faire tourner plutôt dans ça. Ouais, mais le problème c'est que. Ah! Ah! Ah ah ah! Ah ah ah! Y'a rien à faire là! Ah! Aïe! Ça, je peux pas les tourner. Ah, ça m'embête un peu quand même. Ça m'embête un peu! Non, mais y'a que là. Hein. Il n'y a que là. C'est passé. Et là, je peux pas le mettre là-bas. Ah si, peut-être. Ah, il tape pas dedans. Il faut que je le tourne un petit peu comme ça. Putain, mais ça, c'est éclairé, ça. Ça fait quoi si je vais taper là-dedans? Ça change que dalle. Et là-bas, ça passe pas. Et là, faut que je trouve le bon chemin, en fait. Je prends cher. Pas très très solide, la combi, hein. Donc. Ah, pas mal, ça. Aïe. Ah ben là, j'ai pris un peu de là, pas mal. On l'a envoyé là-bas. Ok. On l'a envoyé sur celui-là. C'est sûr qu'il faut refaire un tour. Genre là. Non. Est-ce que si je l'envoie là, ça change quoi au final? Et que ça, je l'envoie là. Ah, c'est trop incliné, d'accord. Oh, faut que je l'envoie plus. Plus au milieu. Hop. Et que toi, je t'envoie là. Yes. Cram, cram. Yes, yes, yes. Trop facile. Trop facile. On va bouffer la soupe. Ça me prend de la place pour rien. Elle est où? Elle est là. Bon. Ça nourrit que dalle. Ça sert absolument à rien. Oh. J'ai récupéré une épuisette. Stylé. Et une note. Qu'on lira plus tard. Ok, on a récupéré deux. Donc on en met un. Ok. On en met deux. Ok, on n'a pas récupéré trois si. Ah si, on a récupéré trois. Cool. Cool, cool. On lit la note avant pour voir ce qui se passe. Oula, j'ai pas mis le chrono. C'est parti, la note. Alors, on a récupéré cette note. L'objectif du complexe de Selem était de perfectionner des réacteurs expérimentaux pour approvisionner la ville flottante en énergie. Ce n'était pas gagné, mais c'est fait, du moins en théorie. Cependant, avec nos effectifs, nous ne pouvons construire qu'un prototype basique. Pourtant, c'est possible, je le sais. Il nous faut juste des renforts. Il existe un endroit où les gens des radeaux et les survivants de l'ancien monde vivent en harmonie. Utopia. Peut-être y trouveront
nous un moyen de réparer nos erreurs. Hier, nous avons capté l'un de leurs messages. Un investisseur a pris le contrôle de la communauté Olof Wallström. Je crains que ses intentions pour Utopia ne soient pas bonnes. Le fameux... c'est où que c'est marqué ? Le fameux investisseur que la meuf avait peur, qui n'avait pas confiance en elle, qui est là. Un investisseur. Et une taupe, du coup. D'accord. Donc c'est cool. Utopia qu'on n'a pas vu. Ben non. Ça aurait été bizarre. Ça aurait été totalement bizarre. Allez, on met l'autre générateur. Ça va faire mal. C'est tout ? Ah mais il faut appuyer sur un bouton. Faut appuyer sur un bouton. Est-ce que ce serait pas mal de mettre un scaphandre ? Au cas où, on va le mettre. Voilà, comme ça, on sait jamais. Barre de contrôle en place. Processus de refroidissement prêt. Let's go. Insertion manuelle requise. Ok. Je fais manuel, c'est parti. Une pièce. Insertion manuelle requise. Vite. Elle est où la clé? Je sais pas où il faut mettre la clé. Réacteur, c'est là. C'est obligé, c'est là. Clé. On va prendre ça plutôt pour se défendre, c'est mieux. Let's go. Ah, j'aurais dû mettre une combinaison. Un peu plus mieux. Allez. Oh, une pièce. On pourra acheter du sapin. On pourra se faire plaisir. On met la combi. Let's go. Ok. Waouh. Oh, il y en a beaucoup. Allez, viens. J'ai compris comment on esquive. Hop, sur le côté. Aïe. Hop. Esquive. C'est dans ta gueule. Allez, on va à gauche. Un, deux. Aïe. Trois. Ok, c'est trois. Trois coups et il claque. C'est chiant le. La hitbox, elle est un peu mal foutue, je crois. Ah, là, je fais pas d'effort. Ah, ouais, mais. Hein. Les gars, je suis à 10 mètres, il me touche. On les tue tous, hein. Ça c'est gratuit. Parfait. Pas parfait. Oh, j'ai pété ma pique. Je suis dans la merde. Aïe. On va rechercher une petite combinaison. Oh là là. J'ai cassé ma pique. Il y en a combien de fois ? Oh la vache. Oh, je me suis raté. Viens ici. Putain, dans ta gueule. Ah, il est en train de dormir. Il se protège. Il est mort, lui. Il est totalement mort. Faut mourir, monsieur. Oh, je suis comme une merde. Enfin. Oh là là. C'est compliqué, YouTube. J'ai tiré... mal vraiment, hein. J'ai visé, y a rien qui va, j'ai pas de pique. Oh là là, j'ai pas de pique. C'est pas grave, on va attaquer avec ça. C'est parti. Oh, y a moyen que ça la fasse mal, ça. Oh, ça tue à deux coups, ça c'est pas mal, ça. J'entends des bêtes. J'entends clairement des bêtes. Ça fait flipper. Ouais, macheté. Macheté là. Ok, je pense qu'il y en a trois à faire. Petite moussie. Voilà.
ta gueule. C'est moi d'abord. Bouffe. C'est bon? Calmez les gars, il y en a un autre qui arrive. Mais j'ai le droit. Je suis pas sûr en fait. Non, non, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Oh! Wow! Ok. La porte est ouverte là-bas. Nickel. Est-ce qu'on a pas un petit truc à récupérer? Une petite pièce, exemple. On prend une combinaison? Juste au cas où on prend une combinaison. Et il n'y a rien à fouiller ici. Non, non. Là-dedans, on y va. Que dalle. On récupère lui, là. Hop, voilà. On se prend l'arc. On a cramé combien de flèches? On a toutes nos flèches. C'est plutôt cool. Ouais, c'est plutôt cool. Plutôt cool. Pas mal la machette. Elle s'use vite par contre. Donc là, c'est là où on arrive. Oui, totalement. Donc j'ai fait tout le tour. Elle est où la porte? Il y a une porte qui s'était ouverte là-bas. Ah, elle est là. Je ne l'avais point vue. Ok. Bim, et une petite pièce. On a combien des pièces là? On va en avoir beaucoup. Hein. 32. On va quand même les garder pour. On va pas tout utiliser. On va en garder un peu. Oh non. Pas des. Récupérer. Note. Yes. Vous savez ce que ça veut dire ça. Fonderie électrique. On commence à avoir beaucoup de trucs. Il faudra qu'on. Qu'on crafte. Prochain épisode, on va crafter. On va crafter des trucs au prochain épisode. On a la nouvelle destination qui est Utopia. 40 et 88. Sauf qu'avant d'y aller, on va crafter un max. C'est quoi ça? Oh! Good morning. Bien le bonjour. Oh, vous n'êtes pas. Oh, je vois. Il m'a abandonné. Génial. They left me here. Eh ouais. Wow. Pauvre gars. Thanks for waking me up. Merci de m'avoir réveillé. La cryogénisation fait des ravages sur le long terme. Aurez-vous un peu de place pour un ingénieur en biologie? C'est utile, je vous jure. Oh, d'accord, ça peut être utile. Great. Parfait, c'est vraiment gentil de votre part. Je ferai de mon mieux. Là, il va disparaître. C'est un magicien, en fait. Voilà, magicien. Là, c'est pour interagir avec le perso. Du coup, on pourra jouer ce perso. Il est classe. Je pense qu'on jouera ce perso. D'accord, donc lui je l'ai réveillé, c'est cool. Ok, il faut que. Est-ce que j'ai pas un passage à prendre là dans. Non, j'ai juste réveillé quoi. On est venu juste chercher la note. La note pour la prochaine étape de notre voyage. Ça, non, je crois que c'est une caisse à chaque fois, mais pas du tout. Et du coup, on a activé le générateur. Il y avait des trucs à fouiller aussi au début, quand on est arrivé à côté des dômes, mais je crois que ça mène au même endroit. Donc laboratoire, laboratoire, et là c'est la sortie, on sort. On sort. Il fait nuit. Il fait totalement nuit. On va aller directement au dôme. Je sais pas trop dur, on y va. On y va comme ça. Ah. Oh, j'ai bugué la machine. Ouais. Oula, oui. C'est pas grave, il y en a une autre. Là. J'espère. Oui, il y en a une autre. Sauvé. Let's go. Donc, les dômes, c'est tout droit, je crois. On est d'accord, ces arbres, je peux pas les casser pour récupérer le pouvoir. On avait ça, voilà, c'est ça que je voulais voir. Ça, on a ça. Est-ce qu'on peut rentrer du coup maintenant? On a levé le gaz. Oui, totalement. Cool. On ramasse. Minerai de titane. Oh, c'est bien ça. Fer, fer. Ouais, le fer, je devrais pas le ramasser parce que
Attends, on va commencer par là. Cool, plastique, ça, par contre, ça, je veux bien du plastique. Minerai de titane, je prends carrément. Planche, corde, boulon, tout ça, on ramasse. Une caisse, je vais être blindé. Je vais être totalement blindé. Je suis totalement blindé. Ouah, j'ai bien viande, bien viande. Il va falloir jeter des trucs. Et j'ai envie de rien jeter. Je peux manger ça déjà. Fonderie électrique, ça c'est pas mal la fonderie électrique, ça mange. C'est un peu du gâchis, mais c'est pas très grave. Ok. Omelette champignon, je veux. Mange la pastèque. Mange la pastèque, j'en ai plein. Ah, c'est le schéma. Oh, je suis deg. Oh, je suis deg. Jette. Ok, là y'a rien, y'a que dalle. Ok. Tac, 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 tac. C'est le trésor là. Du titane, ça c'est bien le titane parce que il m'en faut pour construire des trucs. Récupérer ferraille, non, je m'en fous de la ferraille. J'en ai trop. Même d'ailleurs, ce que je devrais faire, c'est ça. 20 ferraille, on s'en fout. Oh, on va garder quand même. Mais s'il faut jeter, je jetterai. J'ai beaucoup trop de ferraille. Et ben voilà, impeccable. Elles sont smoothies dans la mêle là. Tranquille, hein. Tranquille, tranquille. Et bien ce qu'on fait YouTube, on va au bateau, tout simplement. On se casse au bateau et on va voir ce qu'on a débloqué comme schéma. Let's go. Je crois que c'est par là. Oui, c'est par là. Ok, je crois que c'est pour connaître la route. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer. Ça se trouve, c'est pas du tout une bonne idée. Hein. Mais on va quand même essayer. On va faire ça. C'est pas une bonne idée. Bon, c'est pas du tout une bonne idée ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave. On va le laisser là, il est pas mal là. Je pense qu'il va tomber dans l'eau dès que je recule. Oh, il m'a mordu. Ouah, mais il est chaud lui. On va rager. On rage le matos. On rage le matos, c'est parti. Les plans, je les ai là. J'en ai pas besoin. On les met là. Hop, on regarde ce qu'on a débloqué. Direct. Sauf que d'abord, je vais récupérer ça. Tac. Et je veux le mettre là. Non, toi, tu vas ici en attendant. Je veux construire ça. Voilà, t'as rien recassé? Si. Ah ouais, mais il m'a attaqué le bateau, mais pas mal. Niveau plastique, je suis mal barré. J'ai vraiment pas beaucoup de plastique. Voilà. Donc, vas-y, reviens, tu vas voir. Attends, est-ce que j'ai une pique là-dedans? Genre ça, je sais même pas pourquoi ils m'ont donné. J'avais pas de pique en rab. Ah mince. Je n'ai pas de pique en rab. Dommage, enfin, j'en construis une. J'en construis une plus tard. Donc, on a appris la fonderie électrique permet de faire fondre du minerai, du sable et des algues grâce à l'électricité. En fait, c'est un four, mais genre plus perfectionné. On apprend raffinage de biocarburant avancé, c'est pour créer du biocarburant. Ok. Ancre attachée avancée, contrôlée à distance par le poste de contrôle. C'est pas mal. Mais bon, en vrai, comme moi j'ai organisé le bateau, je suis plutôt bien. J'éteins le moteur, j'appuie là, ça descend et ça dégage. Je vais faire un petit cut, je range tout mon bordel qui est là. Et on se retrouve dans 5 secondes pour vous, même pas une demi-seconde. Allez, à tout de suite. Ok, alors vous avez vu, ça a été rapide. J'ai tout vidé, j'ai gardé juste un plastique planche. J'ai gardé un petit smoothie au cas où. Que non, en fait, je ne veux pas garder, ça sert à rien. Je veux pas les gaspiller. Je les mettais où les smoothies? Je crois que je les mettais là. On va garder là. La viande, j'en ai 11. J'en ai vraiment un sacré paquet. Ce qui serait pas mal, c'est d'en stocker peut-être. On va en stocker. On va en garder juste une, deux, trois, quatre. Allez, on va garder 5 sur nous. Et ces flèches qu'on garde évidemment. Voilà, pas mal. Et là j'ai rangé un peu le bordel. Alors ça je peux le mettre là. Et ça je le mets là.
Et voilà, ok, eh bien on va voir ce qu'on peut construire. Ça peut être pas mal. Après, on mettra la destination Utopia. Donc du coup, on peut construire quoi? J'ai pas du tout regardé. Ça, on l'a fait. Un purificateur. Relier les tuyaux d'eau. Ok, ça, on fera qu'on le fasse aussi, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on a en bas? On a que dalle. Ici, armoire, ok. Raffineur de biocarburant, c'est pas le même que là. Moi, j'ai celui-là. Là, c'est celui-là, il est un peu mieux. Ménage des animaux, ok. Cru et du miel. Et celui-là, il dit quoi? Et du miel. C'est pareil, en fait. Mais j'en ai beaucoup à stock, donc on va pas le faire. Ça sert à rien. Ici, niveau armement, on avait que dalle. On a les feux d'artifice que je voudrais en faire, par contre, ça peut être marrant. Ça, j'aimerais bien le faire. Parce que celui-là, il est pas ouf. Ah, lingot de titane. Ouais, à chaque fois, ça prend des lingots de titane. Ça fait très mal. Chargeur de batterie que j'ai fait. Non, c'est batterie améliorée, ça. Batterie améliorée, ça peut être sympa aussi. Titane 4. Ouais, je peux en faire que 2 batteries améliorées. Là, on a notre petit chargeur de batterie. Ok, poste de contrôle, justement, pour contrôler à distance. L'ancre contrôle à distance aussi, mais je suis pas sûr que ça vaut le coup de la faire. Où c'est que c'est le four? Le four amélioré, là. Ça, c'est, non, c'est justement ça, la grille de cuisson. Moi, ce que je cherche, c'est ça. Fonderie. Ça, j'ai envie de le faire. 6 lingots de titane, c'est énorme. Et 6 lingots de métal. Waouh. Permet de faire fondre du minerai, du sable et des algues. Ça, ça fait pareil. Grâce à l'électricité. Donc, il faut une batterie et tout. En fait, on peut se mettre full électrique. Là, je suis en bois. En vrai, niveau bois, je suis bien. Niveau plastique, c'est clairement la merde. Niveau feuille, on est bien. Niveau fer, c'est trop. Niveau ressources, on est bien aussi. On est pas mal. Ça va, sauf ça. Argile. Mais argile, qu'est-ce que ça fout là? On peut pas fondre l'argile là-haut. Je sais pas ce que ça fout là, l'argile. Construire une pique aussi. L'argile, non, c'est du cuivre, je confonds. J'étais en train de faire des lingots. Comme ça, je peux en avoir un stock. C'est mieux. Le titane, il faudra qu'on le fasse fondre aussi, ça peut être pas mal. Je vais en faire fondre 2, comme ça c'est fait. Petit à petit. Le mieux c'est tout fondre en fait à chaque fois. Comme ça on est bon. On va marquer Utopia pour savoir où c'est. Donc c'est 40, 88. Let's go. 40 et 88, on active. 40, 88. 40. Oups. 88. Bim. C'est par là-bas. Ok, on éteint, on fait demi-tour, on se place. Et en fait, on n'a pas grand-chose à construire. On n'a pas grand-chose à construire. Attendez, ne bougez pas. Ne bougez pas, ne bougez pas. Ça, je veux, déjà, direct. Je veux le piano. Ah, oh, on n'a pas acheté les sapins. Comment je fais pour pivoter? Je ne me rappelle plus comment je fais pour pivoter. R, pour pivoter, c'est marqué en gros. Ah oui, ok, d'accord. Ah ouais, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place, le pied. Ça passe là? Vraiment? Let's go. Hop, voilà. Piano. Waouh. Ok, et shift, ça fait quoi? Spacebar. Il y a moyen de faire un truc pas mal, hein, mais... Ah, je peux pas sortir? Si. Ok, on s'entraînera, ça peut être marrant. Je fais un cut et on va chercher ce qu'on a oublié. Ah oui, mais par contre. Ah, c'est un peu dommage ça par contre. Ah, je l'ai bloqué. Je l'ai totalement bloqué. YouTube, je fais un cut, j'y vais à pied, je suis motivé, un peu de sport. On se retrouve direct à la machine où on peut acheter des sapins. Allez, à tout de suite YouTube. YouTube, c'est long, ça en finit jamais, hein. Allez, à tout de suite. YouTube, ça y est, on est arrivé. Wow. Donc, on va dépenser des sous. On va dépenser des sous. C'était pas là. C'était en bas, non? Oh non. Je sais plus où c'était. Ah, c'est là. Ouh, j'ai eu peur. On va acheter du sapin. Ça, c'est quoi, ça? On peut pas voir. Fraisier. Ben, on va acheter un fraisier. Presse E. On a un fraisier. On en a deux. On va acheter ça. Hop.
et on va acheter 4 sapins. 4 sapins. Voilà. Tableau. On va acheter celui-là, il est beau. Je crois. On dirait une tour. Ouais. Eux, je les connais pas, mais on va le prendre, ça leur fera plaisir. Si je les retrouve. Ça, c'est quoi ça? Oh, un tapis! Trop bien! J'achète. Ça, c'est quoi? Je sais pas, mais j'achète. Il me reste combien? 27. Large. Oh, des tasses. On en achète. J'en ai 2. Et j'en ai 4. Et bien sûr, avec les assiettes de Gwen. Bim! On a tout acheté. Oh, on n'a pas acheté celui-là, on l'achète aussi. Allez. On a absolument tout acheté, YouTube. C'est pas mal. Cool. Allez. Eh bien, on se retrouve au bateau. Allez, à tout de suite. On peut pas. À de suite, YouTube. Re-YouTube. On vient d'arriver au bateau. On se fait une déco. Ah. On est cassé la tête à lui, hein. Tiens, lui. On répare. Bim. Bim. C'est réparé. On fait une petite déco du coup. Je veux le tapis. Le tapis. La fleur. J'en veux une là. Bim. Et j'en veux une. On peut la mettre dessus, non. Là. Là. Bim. Ça c'est quoi ça? Tapis. Oh, stylé. Là. Pour jouer au piano. Bim. Stylé. Et le tapis welcome, je le veux. Je veux pas trop le mettre au bord parce que si le requin est mort, on va le mettre là. Dom sweet home pour conduire, c'est pas mal ça. On a quoi? On a ça et ça. Ça je veux un sapin. Ah oui, ils sont balèzes. On a mis un là. Petite déco. Un stand déco. On a mis un là. Faut pas que ça me gêne non plus. Là, je pense que ça va pas me gêner. On va mettre là. Histoire que ça cache un peu les... que ça cache un peu les trucs. Oh, je sais où le mettre. Non, je peux pas. Là, je peux là. Oui, là, je peux. Bim. On a quoi? On a les cadres. Les cadres, je pense qu'on peut les fixer là. Pas du tout. Si, on peut les fixer là, mais on les voit pas. C'est un peu dommage. Est-ce que je peux le fixer là? Oui. On va en fixer là. Voilà. Et je me suis trompé de bouton. On va en fixer. Tac. Ici. On peut là? Non, on peut pas. Un poteau là. Là, c'est pas mal là. Tac. Ah, il est stylé celui-là. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ah, on a celui-là aussi. Là. Ouais, c'est pas mal là. Bim. Les ingénieurs. Ah ouais. Bravo les gars, vous avez construit un sacré truc en tout cas. Et on va faire un truc inédit. Attention, attention, attention. On peut pas. Parce qu'on l'a pas. Je voulais faire une table. Je voulais faire une table. Vous savez quoi? C'est l'instant. C'est parti. On ouvre. Bim. Peinture. Drapeau. Table. Ah ben, impeccable. On continue. Couvert. Les couverts, on les a déjà, on s'en fout. Pile de livres. Ouais, ok. Peinture. Juste la déco. Ouais. Totalement déco. Baignoire. Oh, trop bien. Je vais faire une baignoire. Guirlande. Ça, j'en foutrais partout des guirlandes. Faut que je regarde comment ça se construise. Un brasero, trop stylé. Une cheminée. Si c'est fonctionnel, c'est incroyable. Citation inspirante. C'est à moi de marquer ce que je veux, j'espère. Un lit. Un placard. Un bougeoir, ok. Une autre table. Je préférais la première. La première est mieux. Citation inspirante, ok. Une poubelle, ouais, pas mal ça. Si je peux jeter mes trucs dans la poubelle sans les jeter dans l'eau, ça peut être pas mal. Un bougeoir, ok, mieux que l'autre. Canapé, stylé. Et pour finir, un drapeau.
Mais nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est la table. Table. Un clou. Bim. Fabrique. On a une table. Hey. Tu sous ma gueule ? C'est une table, ça ? Ça, c'est une table, ça, les gars. Ça, c'est une table. C'est un banc, les gars. C'est pas une table, ça. Sous de ma gueule. Ouais, c'est pas une table. Pour poser des objets. Ça ressemble plus à un banc qu'une table. Hein. Bon, allez, on va en dire, mais... Mais c'est pas une table. C'est clairement pas une table. Je le mets où, mon banc-table ? Mon table-banc ? Là ? Non, pas là. J'aime pas. Bah ouais, mais j'ai vraiment envie de le considérer comme un banc, lui. Hein. C'est clairement un banc. Je sais pas où le mettre. Je sais pas où le mettre. Heureusement que c'est pas plus gros, parce que comme je galère à... Là ? Ouf. En gros, faut que j'arrête de mettre des trucs, je pense. Ouais, on va le mettre là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste proposer ça, en fait. J'ai mis à l'envers. Je suis dégoûté. C'est pas grave. Oh, raté. J'ai mis à l'envers. Faut que je le retire. Tac. Donc, c'est la fourchette en bas. Du coup, c'est ça. Comme ça. On va le mettre là, du coup. Tac. Voilà. Et là, je veux ça. Comme ça. On en met deux. Voilà. Nickel. Et, tiens, t'as soif ? Je te mets un petit verre au cas où si t'as soif. On peut pas poser dessus. Oh non, on peut pas poser dessus, dommage. Là on peut. Non, 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 là on peut. Non. Ça dégage. Ça dégage, on verra où c'est qu'on les range. Je vais récupérer mes titanes. Je vais en refaire fondre deux. Là, bah, ça passe aussi. Tac, 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 tac. Tac. Bim. Et bim. Et on va poser les deux trucs. On va mettre un là et un à côté de la table. Le dessus. Non, dessus c'est un peu balèze. On va mettre là. Ok. Et ben voilà. Impeccable. On a construit des trucs. Ouais, donc ça, ça va clairement tomber dans l'eau. Une fois que j'aurai reculé. C'est totalement obligé. On y. On continue. 4 planches, 8 ferrailles. On essaye ça. Et après on arrête. Tac, tac, on construit ça pour voir. Je suis intrigué. Le bras zéro. On va le mettre là. Stylé, ça éclaire pas mal. Allez, on part sur autre chose. Ça, c'est pas mal, ça. Deux cordes. Mais je vais pas en faire trop parce que ça me... Ouais, ça bouffe beaucoup de plastique. Ça bouffe beaucoup de plastique. Mais c'est tellement stylé. Ah ouais, c'est tellement classe. Tellement classe. On avait quoi? Couvert, tapis, drapeau, globe-terre, horloge. Ouais. J'ai pas envie de cramer du plastique pour ça en fait. Un boulon, ça je peux. Bon, on va le laisser mordre. Si ça lui fait plaisir. Si ça lui fait plaisir, on met une baignoire. Mmh. On met une baignoire. On la met où la baignoire? On va la mettre là. C'est bien là. Bim, la baignoire. Nickel. Ah ouais, mais il est vénère. Il est vénère et je crois que j'ai plus de plastique. Ça commence à être compliqué. Est-ce qu'on peut aller dans la baignoire? Oh, trop bien. Trop stylé. Et ben voilà. Impeccable. Bonne fin de vidéo. On prend un bain. Comme si on n'était pas assez dans l'eau. Cool, un petit bain là, tranquille. Un petit bain avec la neige juste à côté, juste derrière, il fait froid. Elle a l'air d'être bien là, c'est cool. Allez, eh ben on s'arrête là. Allez, on s'arrête là pour l'épisode 33. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 34. Et on ira du coup... Ah, je peux pas regarder la note. Ben à Utopia, je pense que ce sera la fin de notre voyage. Je pense qu'on arrive bientôt à la fin du jeu YouTube. On a bientôt fini le jeu. Mais c'est pas grave, parce qu'il y en a d'autres à faire encore. Il y en a même plein d'autres à faire des jeux. Il y en a beaucoup. Il y a Stray, il y a Spider-Man, il y a SnowRunner, il y a Warefest à continuer, comme j'ai acheté un volant. Il y a plein de jeux, il y a Bandfinder à finir, il y a beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de jeux YouTube. Allez, on s'arrête là. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.